je me lis à toi, il y a la grosse à ma paix, je te donne le tout. Nous te recommandons ce que il te soit agréable. Oh, puisses-tu prendre plaisir. Nous t'implorons, nous supplions, je te saisis nos cœurs, saisis-nous du sommet de la tête à la plante des pieds. Je m'abandonne à paix. Sobre que te la mamá reposa, le cabo mamá resone de más. Esprit de grâce, esprit de force, esprit de vérité, esprit de sainteté, onction de Dieu, nous te supplions. Assiste-nous, transporte-nous, fortifie-nous, nous te prions. Fais la différence, tu es désiré. Tu es honoré en ce lieu. C'est pas pour mon voisin, mais dans ma vie. Oh magnifique, magnifique, tu es honoré. Tu es désiré, tu es couronné. Tu es attendu, tu es célébré. Tu es bien-aimé, tu es proclamé. Tu es adoré, révélé, reflété. Aïe, ah, maman. Les pas sont prêts, les pas sont prêts à t'aller, ma bouche est terrible. Oh, je me lis, je ne sais pas parler, je ne sais pas prier, mais je te donne. Et ma mère, les bros comme ça, et ma mère, les babas, c'était les mabros. À toi, sans, sans, sans. Non, 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 je me livre totalement. Oh, je te livre ma destinée. Je te livre mon âme, mon esprit, mon corps. Je te livre mes fréquentations. Je te livre mon cœur et ma langue. Je te livre mon témoignage. Je te livre mon futur. Je te livre mon foyer, je te livre tout mon être, je te livre tout ce que je suis, je te livre ma détermination, je te livre mes décisions, je te livre mes résolutions, je te livre tout mon être, ma bébé, ma grosse femme. Te connaître, te connaître, ô Seigneur. Mon désir est de t'aimer, te connaître. Oh, ne me laisse pas t'ignorer, ne me laisse pas te banaliser, ne me laisse pas te mépriser. Ah, Père, je te prie, mon désir est de t'aimer. Te connaître. Ne me laisse pas être détruit par le manque de connaissance. Ô Christ, que je te connaisse, ainsi que la puissance de ta résurrection et la communion de tes souffrances. Connaître la vérité. Connaître.
Ta sainteté, oh, je te prie. Mon désir, ce n'est pas la popularité, ce n'est pas la grandeur, c'est d'abord te connaître. Oh, je te prie. Ah, ce n'est pas connaître l'argent, c'est d'abord te connaître. D'abord, tu es l'objet, le sujet de ma soif. Oh Christ, te vive,
Où
gloire. C'est possible, c'est ce que la grâce a emmené. La grâce ne sera pas injuriée. La grâce ne sera pas vaine dans nos vies. La grâce portera beaucoup de fruits. Oh Christ, je suis candidat. Je suis désireux. Je suis un volontaire. Je ne veux pas vivre l'église, je veux vivre Christ. Je ne veux pas vivre la religion, je veux vivre Christ. Paladin à la bosse. Cette vie. Emmène-nous à connaître la réalité de ta vie. Oh, je te prie. Paillez les mamans, soquettez les rouges. Des cabarets aux progrès. Des barracades les mamans. Oh, je te prie. Ne laisse pas vivre une autre vie. La grâce est venue inaugurer. Ce n'est pas une vie de religieux. Ce n'est pas juste une vie de prière. C'est une vie de l'extraordinaire divin. Je ne retrouve pas le passage où Paul, mais elle a annoncé l'évangile. Il est quelque part le passage. On est venu le lapider. On a jeté des pierres sur lui. On l'a lapidé. Et la Bible dit qu'on l'a laissé pour mort. Ils l'ont laissé pour mort. Si quelqu'un connaît le passage qui m'aide à le retrouver. Mon frère, ma soeur, il y a une réalité à laquelle le Seigneur veut nous emmener. Ce n'est pas la religion, non. C'est la réalité du surnaturel divin, l'extraordinaire divin. Oh Christ. Acte 14, 19. Merci, merci mes frères. Acte 14, 19, mets-le à l'écran. Acte 14, 19. Alors survint d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Ils l'ont lapidé pensant qu'il était mort. Acte 14, 19. Un jour le Seigneur m'a emmené sur ce passage. Il me dit, vous n'avez aucune idée de ce que la grâce a rendu possible comme dimension de vie. Le problème, c'est que tu dois d'abord être conscient de cette réalité. Et tu dois avoir soif
de cette réalité avant d'être prêt à payer le prix dans l'obéissance pour expérimenter cette réalité. Et quand il m'a montré ça, j'ai dit, Seigneur, c'est ça la vie de l'extraordinaire divin. Jésus n'est pas venu pour une religion, il est venu à donner une vie que l'homme Adam ne pouvait pas vivre, que sous la loi il n'était pas possible de vivre et que la grâce a inauguré. Remets le passage à l'écran, remets-le à l'écran. La Bible dit, alors survient d'Antioche et d'Icône des Juifs, ils ont lapidé Paul et ils l'ont traîné dans la ville pensant qu'il était mort. Les Juifs à cette époque étaient des experts en lapidation, ils ne pouvaient pas rater leur coup. Ils savaient lapider. Ce n'était pas des graviers qu'ils utilisaient. Ils utilisaient des gros blocs de pierre. Alors ils sont venus et ils ont tous jeté des pierres au point que Paul s'est écroulé, blessé pour mort. Il s'est écroulé. Regarde comment les autres religions lapident les hommes aujourd'hui. Ils savent lapider. Ils ne ratent pas leur coup. Et s'ils l'ont laissé pour mort, ça veut dire que soit il était mort, soit il était complètement dans le coma. Ils l'ont laissé là pour mort, pour mort. Ils l'ont, et il était tuméfié. Il était complètement rempli de contusions. Il devait avoir des traces, des marques partout. C'est comme si quelqu'un rentre, c'est comme si quelqu'un est totalement lapidé. Mais regarde, regarde le passage suivant. Regarde le passage suivant. Le passage suivant. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva, il entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Attends, attends, attends. Attends, attends, attends. Regarde aujourd'hui. Dis-moi où tu as vu une personne qui est lapidée aujourd'hui, qui est laissée pour mort, qui est complètement tuméfiée, complètement marquée de traces partout, et puis qui se lève, qui rentre dans la ville, et le lendemain, dis-moi dans quel service des urgences tu as vu un malade arriver, complètement tuméfié, et puis il se lève, et puis le lendemain, il continue d'aller annoncer l'évangile. J'ai dit au Seigneur, mais comment quelqu'un peut être tuméfié de partout, laissé pour mort hier, et aujourd'hui totalement en bon état, et capable de marcher de nouveau? Il m'a dit, et lui, quand il a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, ce n'était pas une chanson, ce n'était pas une récitation, c'était une expérience. Il m'a dit, lorsque c'est moi qui vis en toi, ma vie possède une capacité de régénération de tes cellules. Wow. Il y a une dimension de vie. Explique-moi comment un serpent peut mordre, un venin peut rentrer dans son corps, un venin peut rentrer, le poison, le mot venin c'est le poison, et le mot virus également veut dire poison. Comment un poison peut rentrer dans le corps de Paul? Si c'était moi, j'aurais dit, oh, au nom de Jésus, sans effet, j'aurais commencé à dire, ah, fire, fire, fire. Mais Paul n'a rien dit du tout, il a juste secoué sa main et continué ses activités. Mais quel était son secret? Il m'a dit, il était conscient que ce n'était plus lui qui vivait, c'était moi qui vivais en lui. Je ne peux pas être tué par un virus, je ne peux pas être tué par un poison. Lorsque je vis, ma vie est supérieure, ma vie domine, ma vie triomphe, ma vie règne. Oh, je veux vivre ta vie. Christ, oh Christ, ne me laisse pas vivre une vie médiocre. Christ, ne me laisse pas vivre une vie banale. Oh, je t'en supplie. Fais-moi vivre une vie de possibilité, de laquelle tout est possible. Réveille ma foi, réveille ma soif, réveille mon zèle, réveille ma détermination. Oh, oh, oh. Oh, Christ, vive. Oh, Christ, vive. Christ, vive. Église, Église, il y a une dimension, l'extraordinaire divin, c'est une réalité. Le Seigneur m'a dit, si tu n'y crois pas, ce n'est pas suffisant de croire, après il faut marcher avec moi, mais ça commence par croire que c'est possible. C'est une vie où il n'y a plus de limites. C'est une vie. C'est une vie où le Saint-Esprit te commande. Le Saint-Esprit te porte. L'Esprit de grâce te soulève.
Ce n'est pas que tu as fait exprès, mais tu t'es occupé en train de prêcher l'évangile à un endroit. Et le Saint-Esprit sait qu'à un autre endroit, quelqu'un a appelé le ministre des Finances de la reine d'Éthiopie et est en train d'aller. Toi, tu es là en train de prêcher l'évangile. Le Saint-Esprit veut que tu prêches à cette personne. Et figure-toi que parce que tu t'es occupé là, tu as raté l'avion, tu as raté le train, tu as raté la voiture. Le Saint-Esprit dit, ce n'est pas grave. La Bible dit que soudainement, le Saint-Esprit prit Philippe. Non, il dit d'abord à Philippe, cours à tel endroit plutôt, cours à tel endroit. Il va, il prêche au ministre des Finances de la reine d'Éthiopie. Et quand le Saint-Esprit voulait qu'il aille vers d'autres villages, oui c'est ça, il voulait maintenant qu'il aille vers d'autres villages, mais il n'y a plus le temps, il faut qu'il fasse vite. Et Philippe dit, mais comment je fais, j'ai fini avec lui, il faut que je prenne l'avion. L'avion est déjà parti. Le Saint-Esprit dit, c'est pas grave. La Bible dit, l'Esprit le prit et il ne fut plus. Et brusquement, il se retrouve dans une autre ville. Waouh! Oh mon frère, ma soeur, il y a une dimension qu'on appelle l'extraordinaire divin. Je ne sais pas pour toi, mais moi je dis à Jésus, je veux vivre, je veux te vivre, je veux vivre ta réalité. Waouh, je veux te vivre. J'ai soif de ta réalité. C'est une vie qu'on m'a chanté des mots. C'est une vie où tu ne peux pas mourir assassiné. On ne peut pas t'assassiner. As-tu une idée du nombre de fois où on a voulu tuer Jésus? La Bible dit, ils l'ont entouré, ils l'ont poussé au bord de la falaise. Mais parce que son jour n'était pas encore venu, on ne pouvait pas le tuer. Tant que tu n'as pas accompli les desseins de Dieu sur la terre, dans ta génération, que tu n'es pas en accord avec le Saint-Esprit, d'accord pour rejoindre le Père dans les cieux. On ne peut pas assassiner. Il m'a dit, personne ne m'ôte la vie. Je la donne de moi-même. Personne ne peut m'assassiner. On le pousse au bord de la falaise. Et la Bible dit, on ne sait pas. Brusquement, il fait transmutation. C'est comme s'il est frappé d'aveuglement. Et il passe au milieu d'eux. Et il va totalement en paix. Voilà ce qui t'arrive lorsque Christ vit à l'intérieur de toi. Lorsque Christ vit à travers toi. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Oh, je désire. Qui est candidat pour ce genre de vie? Qui est candidat? C'est la dimension que la grâce a activée. Oh, Christ! Oh, oh, Christ! C'est la dimension que Adam ne peut pas connaître. Adam est fragile. Adam est fragile. Adam peut être tué par un virus, tué par un accident. Christ sait tout, omniscient, omnipotent. Par le Saint-Esprit, il connaît les choses à venir. Ne me laisse pas ignorant. Ne me laisse pas vivre une vie de religieux, une vie de church going. Non. La grâce a été activée. La grâce a été introduite par Jésus pour que nous puissions manifester le style de vie que Dieu avait prévu avant la fondation du monde. Lorsqu'il a dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. La grâce est venue pour rendre l'extraordinaire divin de nouveau possible, accessible. Et Père, nous t'implorons. Ne nous laisse pas vivre une autre vie que Christ. Ne sois pas seulement en nous, mais vis en nous. Oh, nous t'implorons, nous te supplions. Oh, Christ, 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 Christ. Oh, Christ, Christ. Vive ton amour, vive ton caractère, ta plénitude et ton revêtement, ta plénitude et ta démonstration d'esprit et de puissance. Des bonnes œuvres que tu avais préparées d'avance pour nous. Que l'on te voie dans mon travail. Oh, que l'on te voie dans ma destinée. Que l'on voie ta vie, ton éclat. Que l'on voie ton caractère, ta douceur, ta sainteté. Oh, moi je suis candidat pour t'exprimer. Afin que ceux qui disaient que tu n'existes pas soient obligés de dire, je l'ai vu à travers Ivan. Je l'ai vu à travers Raoul. Je l'ai vu à travers mon frère. Je l'ai vu. Il n'existe pas. Il existe. Il est esprit. Mais je l'ai vu habiter, vivre à travers. Oh Père, je suis
candidat. Oh, fils de je te prie. Oh, c'est de ça qu'il s'agit. C'est la vie que la grâce a rendue accessible. C'est la vie que la grâce a rendue disponible. Ne me laisse pas vivre en dessous des standards. Oh, Christ. Réveille notre foi, réveille notre conscience de Christ, réveille notre soif de ta réalité. Délivre-nous de l'hypocrisie, de la comédie, des faux semblants, des masques, de la superficialité, des apparences trompeuses, alors que l'intérieur est vide. Emmène-nous dans ton intimité, dans la connaissance épique, que je te connaisse. Ce n'est pas que j'entende parler de toi, mais que je fasse ton expérience. Soit ma vie, soit mon vécu, soit mon quotidien, soit mon bien-aimé, soit ma passion, soit mon obsession, soit ma ferveur, soit l'auteur de ma foi, ma source, mon protecteur, mon bienfaiteur, mon bien-bâtisseur, mon architecte, mon conducteur, mon roc, ma lumière, mon salut, ma bannière, ma forteresse, mon consolateur, mon avocat, mon étendard, ma gloire. Amen, 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 amen. Sois tout, à toute ma vie. Amen. Sois ma paix, sois ma joie, sois ma loi, amen. Sois ma foi, sois mon roi, sois mon bien-aimé. Amen. Sois l'amour de ma vie. Amen. Sois le rocher de mon cœur. Toi seul, étanche ma soif. Produis la soif, étanche ma soif. Sois ma réalité. Maïekata, débarrassa. Oh, je ne sais pas pour les autres, mais moi, je désire ta vie. Oh, je désire ta vie. Yé makate, brossa kata le brossa. Ah, ma, qu'il me soit fait selon ta parole. Qu'il me soit fait selon ta volonté. Yé, maïe le brossa. Amen. J'ai dit qu'il me soit fait selon les paroles que je vais prononcer. Christ vive en moi. Christ pleinement formé. Christ pleinement déployé. Christ visible dans mon époque. Christ visible dans ma génération. Christ aimé et couronné. Fais de moi un témoin. Amen. Fais de moi un véhicule réquisitionné. Amen. Divinement réquisitionné. Amen. Pour te manifester. Amen. C'est ce que la gloire a rendu possible. Amen. La grâce est venue. Amen. Pour que cette vie soit notre partage. Amen. Elle sera notre partage. Amen. Amen à cette parole. Amen, amen à Jésus-Christ. Amen, amen au Saint-Esprit. Amen. Au ministère du Saint-Esprit. Amen. Il va prendre son bas. Il va prendre son bien de ténèbres. Amen, amen, amen. Amen à ses prières. Amen à toi qui entends les cris des justes et qui répond à la soif de tes justes. Amen à Dieu notre Père. Amen. Au plus magnifique chef d'État de l'univers et de l'éternité. Amen à mon enfant. Amen. Celui qui a commencé cette belle. Amen. À toi qui la rendra parfaite. Amen, amen, amen. Oh, I am getting a soap like a daddy,
Tu as dit dans ta parole, lorsque le juste crie, le Seigneur entend. Tu ne laisseras pas nos vies où elles sont. Nous refusons de rester là où nous sommes. Nous désirons, nous réclamons ta grâce pour t'exprimer, t'expérimenter, te vivre, te connaître, te révéler. Oh, nous te prions, sois pleinement formé. Vis totalement en moi, en nous. Sois mon commandant en chef. Ne laisse pas la chair nous commander, mais que Christ nous commande. Que le Saint-Esprit soit mon conducteur. Nous t'implorons. Jamais je n'ai dit que j'avais la capacité. Non. Moi, j'ai juste la volonté. Moi, de moi-même, je suis un vrai incapable. Mais je compte sur ta grâce. Que ta grâce nous porte et nous transporte comme jamais auparavant. Toi qui as commencé cette belle œuvre, Seigneur, rends-la parfaite, fais-en un témoignage. Oh, il ne s'agit que de toi. On parlera de toi dans ma génération. On a assez parlé de Satan et de ses œuvres. Non, c'est fini. L'heure vient, elle est déjà venue. On parlera du Saint-Esprit. On parlera des actes du Saint-Esprit. On parlera des œuvres de Jésus-Christ. On parlera de ta gloire. Sur la Côte d'Ivoire, sur l'Afrique, sur l'Europe, sur la France, sur la terre, à travers les vases de terre. On parlera de toi. On te verra à travers nous. Tu seras révélé. La grâce l'a rendu possible. Oh, merci pour la grâce. Ta grâce ne sera pas vaine. Parce qu'elle rencontrera un cœur déterminé à obéir. Déterminé à faire la guerre à la chair. La guerre au monde. La guerre au démon de l'enfer. Alléluia. Ta grâce le fera. Voilà pourquoi, lorsqu'on viendra me féliciter, lorsqu'on viendra dire, félicitations Ivan, bravo, bravo. Non, je dirais, non, ce n'est pas à moi la gloire. C'est lui seul qui l'a fait. Alors à lui seul, honneur, louange et gloire. Dès maintenant et dans toutes les générations. À travers ma vie, ton nom sera couronné. Paye Kéké Navarro, les gars Satan et les Monsants. Amen, amen, amen. Ces paroles s'accompliront dans la vie de celui qui croit cette parole. Alors je suis le premier à dire amen. Amen, amen, amen. Allez, amen, amen, amen. Assoiffés ne reste jamais silencieux. Si tu ne me crois pas, demande à la femme avec la perte de sang. Les assoiffés, parce qu'il y a des satisfaits et il y a les assoiffés. Les assoiffés sont les déterminés. Ils ont dit, tant que je ne te vis pas, je ne te lâche pas. Je vais m'accrocher à toi. Même si ce n'était pas mon jour de visitation, ma soif va provoquer Dieu à me visiter aujourd'hui. Pariez, bénévole.
Réveille un peuple assoiffé. Réveille un peuple assoiffé. Dieu ne peut rien faire avec ceux qui n'ont pas soif. Tu peux prier, les religieux prient, mais ils n'ont pas soif. Ils sont rassasiés par des mirages de médiocrité que le monde leur offre. Ils sont rassasiés par les apparences extérieures. Mais à l'intérieur, leurs cœurs sont vides. Voilà pourquoi ils sont milliardaires, millionnaires, mais déprimés, alcooliques, accros à la cigarette, à la drogue. Pourquoi? Parce qu'ils ont une soif intérieure qui n'est pas étanchée, que le monde ne peut pas étancher, que seul le Créateur. Réveille la soif. Les déterminés sont des assoiffés. Les véritables adorateurs. On dit tant que Dieu n'est pas glorifié, je ne baisserai pas mon épée. Et c'est à eux, c'est pour ces gens-là, que la grâce surabonde. La grâce est disponible pour tout le monde. Mais certaines personnes arrivent à faire en sorte que sur leur vie, la grâce surabonde. Qu'est-ce qui fait la différence ? Le cœur assoiffé, le cœur déterminé, le cœur embrasé, le cœur d'une personne qui a dit « Moi, je ne peux pas par moi-même, mais je refuse que ma vie rende visible, c'est-à-dire glorifie un démon. Jamais. Hier, j'ai été un véhicule sataniquement réquisitionné. » Pour rendre visible l'esprit des eaux, lorsque je pratiquais l'impudicité, je rendais visible l'esprit de colère, lorsque je terrorisais mes enfants. Désormais, je ne glorifierai, je ne rendrai visible qu'un seul Christ. Tu seras révélé dans mon époque, dans ma génération, par ta nature, par ton caractère, par tes œuvres, ta puissance, ton autorité, tes bonnes œuvres, on te verra. Amen, amen. Amen, amen. Seigneur, nos temples, accomplis ce soir ton agenda. Inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos vies. Parce que j'ai prévu. Connecte-nous sur ta fréquence. Magnifique Esprit de Jésus. Cher Esprit de vérité, parler sans toi, c'est une catastrophe. C'est un discours de politicien. Il n'y a pas de vie. Parce que la vie est dans le réma, la parole que tu inspires. Alors ne laisse pas mes pensées être exprimées, mais que ta pensée soit communiquée. Que ton cœur seul soit communiqué. Je reconnais mon incapacité. Pas à un homme ou à une église la gloire, non. Mais du soleil levant jusqu'à son couchant. Que le nom de Jésus-Christ seul soit aimé, célébré, couronné, proclamé, publié, exalté, attesté, acclamé parmi les nations. Que le nom de Jésus soit acclamé. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Ayara de Mama Brosse. Amen. Oh, nous nous attendons à toi. Amen. Oh, cher magnifique. Amen. Magnifique Esprit de Jésus. Amen. Seigneur, nous te célébrons. Amen. Au temple de la foi, tu es honoré. Amen. Au temple de la foi, tu es accueilli. Amen, amen, amen. Et ma camada, les mamos. Et prépare Satan, et les mamas, les mamos. Amen, amen, amen. 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 Amen.
Amen. Amen, 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 amen. À la parole est révélée, à ta présence, à ta présence, à ta gloire, à tes œuvres, à la grâce de Dieu, à la grâce augmentée, je dis amen, à la grâce intensifiée, à la grâce intensifiée, après ces 10 ans, grâce est intensifiée. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Aïe, 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 aïe. Wow. Oh Lord, we love you, we thank you, we praise you, we bless you, we honor you, we lift your name on high. Wow, we thirst for you. Nous avons soif de toi, faim de ta réalité, de ta parole, amour de nos vies, rocher de nos cœurs, bâtisseur, bouclier, bien-aimé, bienfaiteur, bannière, lumière, salut, délivrance, espérance de gloire, avocat, médiateur, intercesseur. Oh, tu es ma vie. Wow, je suis honoré de t'appartenir. Wow, béni soit le nom du Seigneur. L'Esprit de Jésus est dans la place. Y a-t-il une personne qui a envie d'honorer le Saint-Esprit? Wow, paye ta sete la mabobosa. Paye de l'ébos. Agenda uniquement au nom de Jésus. Amen. Une grâce intensifiée à partir de cette semaine. Je ne dis pas décuplée, je dis qu'elle est intensifiée. Ça veut dire une capacité de vivre une vie. Une grâce intensifiée. Une capacité de vivre la vie que tes parents n'ont pas vécue. Le Saint-Esprit te rend conscient de cette réalité. Et la soif et l'obéissance aux lois. Aux lois spirituelles, la crucifixion de ta chair, le sacrifice de ta vie vont t'emmener à expérimenter cette vie. Une merveille à nos yeux, un chef-d'œuvre de Dieu, un prodige à nos yeux. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu accorde.